Hi everybody, how are you? Today I speak about Minitube. With Minitube, you can watch YouTube videos in a new way. You type a keyword, Minitube gives you an endless video stream. Minitube is not about cloning the YouTube website, it's aimed to create a new TV-like experience. You don't need Flash for use it. Minitube was created by Mr. Flavio Tordini. You can use Minitune on Windows, Mac OS X, Debian, and Ubuntu, or build it by yourself. Minitune is light on your computer with high definition, with channel subscription, and stop fading. Donc, une petite démonstration de Minitube, qui est un logiciel qui permet de lire des vidéos de YouTube à partir de mots-clés sans besoin de Flash ni de navigateur Internet. Donc, à propos, j'ai la version, la dernière version, qui est la version 2.4. Parce que avec la dernière version 2.3, vous aurez un message de YouTube par rapport au support, parce que il y a de nouveaux API pour YouTube, donc vous devrez passer à la version 2.4 si vous voulez utiliser Minitube. Donc voilà, donc je peux fermer cette fenêtre. Hein. Bien sûr, il y a aussi créé MusicTube et Music, mais bon, aujourd'hui, nous allons faire plutôt nous concentrer sur Minitube. Donc, les applications. Donc, si vous voulez effacer les recherches précédentes avec le raccourci clavier, la lecture, jouer, arrêter, etc., passer avec les raccourcis clavier qui vont bien, la liste de lecture. Les vidéos, donc voilà, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ouvrir la page YouTube, ou copier l'URL du flux vidéo, si vous voulez passer en mode plein écran, si vous voulez partager sur Twitter, Facebook et compagnie, donc voilà. Donc, nous avons dit que soit on tapait un mot-clé, ou soit on entrait une chaîne. Donc là, je vais taper Big Bug Bunny. Donc là, vous voyez que ça me propose aussi une liste de résultats. Donc voilà, donc j'ai cliqué et il m'ouvre directement la vidéo. Et une fois que j'arriverai à la fin de cette vidéo, il passera directement à la suivante. Par rapport à la définition, vous pouvez choisir en 360. 720p et 1080p. Donc je vais avancer ici. Et voilà, le logiciel Minitube est passé directement à la vidéo suivante. Donc maintenant je vais chercher autre chose. Faire ça. Donc voilà, ça va se lancer automatiquement. Je vais maintenant choisir la deuxième. J'ai juste à cliquer dessus. Je peux avancer. Donc je vais faire échappe pour sortir de là. Donc par rapport aux derniers mots-clés que vous avez utilisés, vous avez la possibilité hein, de les effacer avec raccourci clavier, aussi contrôle majuscule puis supprimer. Donc voilà, ben, je vous remercie pour cette petite démonstration de Minitube. Thanks for watching et je vous dis à très bientôt. Bye bye.